Hello family, welcome to my channel, Joe's Bien-Aimé Languages and More. Do not forget to like, comment, subscribe, and click the notification bell so whenever I publish a video, you will get that video as soon as possible. Nou genye salutasyon, se yon ak de komunikasyon ki prouve ke gen yon moun la ou bien yon moun vle bienvenu. Yon moun. Donc, nou genye formel et informel. Formel ou bien professionnel. Ok, par exemple, soit parle avec un directeur, yon moun ki supérieur par rapport à vous-même. Et nous gen informel ou bien non professionnel, c'est là parle avec un ami, yon moun ki ou familier avec lui. Donc, c'est ça en fait. Now, hello. Hi, good morning, good afternoon, good evening. Ça c'est façon pour nous capable saluer yon moun en anglais. Hello, en pile là nous connaissons ça déjà. Hi, good morning. Ça c'est le matin. On dit moun nan, bonjour le matin. Good morning. Le après-midi, on dit li good afternoon, qui c'est bonsoir. Et ou dire good evening, qui c'est bonsoir, encore une fois. Maintenant, ça va dépendre de l'heure que vous avez dit mon nom bonsoir. Si vous avez dit mon nom bonsoir, par exemple, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, ou dire good afternoon. Mais là, ou dire good evening, là, c'est là que vous commencez à faire noir. Là, ça vous dit good evening. Maintenant, déjà, le salut au monde, il y a une communication, une conversation qui commence. Après, vous pouvez dire, how are you? Qui j'en ai? Mais il y a plusieurs façons que vous pouvez demander au monde qui j'en ai en anglais. Et nous parlons de quelqu'un. How are you? How are you doing? Qui j'en ai? How have you been? Toujours. Qui j'en ai? What's going on? Sa kap fèt? What's new? Ki sa ki gen de nouvo? What's up? Sa kap fèt? How are things going? How are things going? Koman bagay yo ye? Koman bagay yo prale? How are you feeling? How are you feeling? C'est dans le sens que, par exemple, si vous connaissez un monde malade, ou bien vous ne vous sentez pas trop bien, laissez-le capable de dire comment vous sentez. How are you feeling? How are you feeling? How is it going? Comment ça y est? Comment ça peut aller? Donc, les gens disent bonjour ou bien bonsoir, ou pas répondre seulement avec how are you? Il y a une autre façon que vous pouvez demander. Qui j'en lié et bien pour l'autre contexte ou capable d'utiliser l'autre bagaille pour parler avec lui. Donc bien pile l'autre toujours comme je dis auparavant, mais ça c'est des notions clés pour capable non seulement dire how are you, mais pour capable dire how have you been, what's up, how are things with you, what have you been up to, how are you feeling. How is it going? What's new? What's new with you? Tout ça, c'est des bagages qui rendent conversation très belle, leur parler avec un autre monde. Donc, pas oublier, like, commenter, partager, inscrire. Et si quelques questions, écrivez question dans la section commentaire là et ma capable répondre et aider nous dans ce sens. Ciao.